Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos jeux Rusty Lake. Donc du point and click, hein, toujours, voilà. Donc Cube Escape, le chapitre Paradox. Et il y a un autre chapitre qui s'appelle Cube Escape Collection. Donc on commence par Paradox. Voilà, je ne savais pas par lequel commencer. J'ai pas la chronologie exacte des jeux en fait. Donc je me suis dit Paradox en premier. Allez, voilà. Il y a le chapitre 1, le chapitre 2 et un film. Ah d'accord. Alors le film, il renvoie sur le sur Steam. Donc bon. Eh ben écoutez, chapitre 1. Où suis-je? Ah, en français. Contrairement à The Wilder. Cet endroit m'est familier. Et elle est ici. Ok, alors par contre le son est terriblement fort. J'espère que ça ira. Ok, clique sur la flèche du bas pour revenir en arrière. Ok, bon. Ok. Bon. Il y a un code. Y a un code ici, on sait pas ce que c'est. Ici, il y a une MacMonde. C'est pas un truc à... il manque un truc peut-être ici. Ici, on a une plante. En JPEG très dégueulasse. Et on a accès à ça. Alors, beaucoup de recyclage hein, dans les textures. Parce que ça, c'est les... C'était déjà... On vient de voir ça dans le... Enfin, moi, je viens de voir ça dans The White Room. Ah. Ok. Oh lolo. Compliqué. C'est bon, ça va le faire. Alors cette musique me fait beaucoup penser à une musique de Bleach, la musique un peu triste de Bleach. Morceau de photo. Ok. Bon, pour le moment c'est ok. Ici je peux rien faire. Mais et ça là je peux rien en faire ça. Ok. Il y a ce truc-là. Il y a un oiseau. Avec un œil qui derpe. Bon. D'accord. J'ai un peu froid. D'accord.
Est-ce que... Non, non, bon. Est-ce que... Ok. Du coup, j'ai une clé. Est-ce qu'elle me sert à ouvrir ça? Non. Est-ce qu'elle me sert à ouvrir ça? Non plus. Non plus. On va donc continuer à droite. Ivejo. Ok. On va peut-être devoir reformer une photo à un moment. Ah, bah ça ressemble à ça. On a une partie de la photo. On a un cigare. Là, il manque un tiroir. Alors, on va rester là pour le moment. Je voudrais voir les tiroirs. Non plus, c'est fermé aussi. Ok. Il y a là, il y a. Ok, je peux pas le tirer pour le moment. Et il y a un téléphone. Mental Health et Phishing. Oh, d'accord. Ok. Note the Bluvial. Ok. Bon, doucement, on commence à voir quelques éléments. Non, je suis bête. Il n'y a pas de cassette dedans. Oh! Encore un système avec des heures. On va s'éclater! Alors, je garantis pas que je pourrais tout tourner aujourd'hui. Parce que je viens de couper toutes les lumières. Visiblement non. D'accord. Je me suis réveillé dans cette salle, je me sens différent, moins réel. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Le porte-manteau, donc avec ça à faire. Bon, on va retourner au miroir du coup. Oh. C'est super dangereux de faire ça, ne le faites pas. Ok.
Ah. Encore un morceau de photo. Du coup, on va pouvoir compléter, je pense. Ok. Putain, ils sont chiés à trouver des acteurs et tout pour qu'ils ressemblent un peu à... Ok. Oh, attendez une seconde. Ok. All right. Ok. Et là, il y a le gamin. Enfin, je pense que c'est un gamin. Vu. Ok, d'accord. Là, c'est la. Ça change à chaque fois. Comment ça se passe? Je sais pas pourquoi. Je. Ok. Ok. Attendez, cet endroit se correspond à quoi sur la carte du monde? Ça c'est l'Afrique, Madagascar est là, ça c'est l'Inde. Y a rien ici. C'est l'océan, enfin on est dans l'océan Pacifique à cet endroit-là. Fermé. Oui, mais j'ai une clé. Non. Et là, pareil, c'est... Non. Il est éteint. Ok. Ça, je peux le refermer. Ah, et un truc que j'ai pas examiné. C'est pas normal ça? Si? Ça a été réparé peut-être. Pas faire un seul ligne, voir s'il y a autre chose sur la page. Il y a toujours le système de traduction. Là, il nous manque une cassette. Et là, on a des heures. Est-ce que j'ai vu une heure arriver à un moment? J'ai pas souvenir.
voilà qui va nous débloquer un petit peu. The Woman. J'ai un doute, c'est The Woman ou The Woman? Woman. Ok, mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est The Woman, mais. Zut. Qui es-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dessiner son froc? Get à outil, mais pourquoi je ne peux pas m'empêcher de penser à elle? Je n'ai jamais rencontré cette femme. C'est juste un autre cas de meurtre. Mais donc, ça se passe après... Parce qu'il me semblait que Cube Paradox était sorti avant The White Room. Mais apparemment, ça serait sorti finalement... Que je sais qu'est-ce que je sais à propos d'elle, est-ce que je, comment elle est morte? Bah on sait qu'elle est morte. Elle est morte assassinée, ça on le sait. Ok. Affaire 23. Peut-être la clé pour m'échapper de l'esprit. De mon esprit. Oh ouais, mais attends, si tu commences à faire des blagues méta comme ça, frérot, vraiment. Excuse-moi, j'ai pas vu ce qui est marqué. Une place vide de l'esprit que l'esprit. De l'esprit, reflet du passé et du futur.
Ok, bon. Ça, donc, on n'y est pas encore. On a une clé. Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'horloge? Ah oui, c'est le... C'est le dictaphone. Ça, on n'a toujours pas. Par contre, maintenant, on a une clé et qui correspond à ça. L'affaire 23. La mort de Laura Vanderboom. Première pièce à conviction, le corps de la femme. Ah, donc on va retrouver la photo, évidemment. Deuxième preuve, l'article de presse. Je vois pas en quoi c'est une preuve. La prescription. Ensuite, le contest de Rusty Lake. Hein? Ok. Évidence, pièce of dress. On peut parler de cette blague méta ou pas? Ok. D'accord. Donc ça, on peut pour le panneau de l'autre côté. Ok, très bien. Ah, oh, purée. Vanderboom. Non, c'est une diapo. Ok, donc on va pouvoir mettre cette diapo. Bon. Y a un symbole là. Putain, la maison, elle fait vraiment Amityville, par contre. Du coup, la diapo. Mais pareil, ça, il y a des jeunes qui n'ont jamais connu ça, les diapos. Belle A. Ah. Qui manque. Là, il y a un tapis. Là, il y a. Ok, donc ça, faut que j'examine ça. Et ça entoure un 4. Attendez, ça. Oui, si, c'est ça. Et pourquoi je peux pas ouvrir ce truc? Bon. Please tell me about your dream. I was watching TV. It was me on the screen. But I looked different, more real. And then I said, Enin Xis Xis Lennach. Did I talk backwards?
Chaîne 6-9. But I looked different, more real. And then I said, Enin xis xis, lennark. Did I talk backwards? Chaîne 6-6-9. C'est vrai qu'on pouvait faire ça avec les dictaphones, putain. Truc de ouf. Ok, on va laisser là-dedans pour le moment. On sait où elle est. Et puis surtout, elle prend pas de place dans l'inventaire. Et si jamais on trouve une autre cassette. Donc 669. Chaîne 669. Faut c'est du courant parce que là actuellement mes câbles ils sont coupés, les câbles de la télé, mais on est déjà sur la bonne chaîne. Ça y a toujours rien derrière. J'ai toujours mon cigare à la main même s'il est éteint. Sur 23 donc. Aïe 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 aïe. Donc non, donc ok, donc The Cube est bien sorti après Rusty Lake. Hein, parce qu'ils ont retravaillé la photo. Mais ils se sont fait chier à aller trouver, à aller peindre un mur derrière. Comme le sol de Shining et photographier une actrice. Sur un sol dégueulasse. Ils ont été jusque là pour cette pour ce jeu quoi. Putain les gars vous faites chier. Les gars se font chier quand même. Bon. Ah. Ah d'accord. J'ai mis les trucs dans l'ordre. Non, là c'est un R. Il. Robert Hill, false accusation. Putain, faudrait. Robert Hill, d'accord, ok. Faut que je mette les noms de famille dans l'ordre. Du coup, Van Gogh. Pareil, Van Gogh. C'est un V ou un G en premier tu écris comment? Enfin, tu dans l'ordre alphabétique, c'est le V qui prime ou le G? H, donc. Alors, donc j'ai un V, j'ai un E. Le E. Alors, j'ai deux E. J'ai Eliander et. Ah bah, j'ai deux Eliander. Mais j'ai un C et j'ai un J. Donc c'est dans cet ordre là. Ensuite j'ai un I. Non, j'ai un R. Alors F G. Donc on va essayer G H. L R. Non. Donc plutôt V alors. V-A-N, V-A-N-D. Logiquement, il devrait venir là. Non, ok, d'accord. Faut pas que j'inverse comme ça.
Ça serait le bon ordre de. C'est pas cet ordre-là qu'il faut regarder. Je me disais que c'était peut-être l'ordre des. C'est pas ça. C'est pas ça le truc. Bon, il y a un truc à faire avec ces livres. Y a ça aussi. Je suis bon bois. J'ai pas vu où est-ce qu'il y avait ce truc. Ok. Vraiment, la seule chose que je me suis pas et que j'ai pas utilisé, c'est la paire de ciseaux pour le moment. L'horloge aussi. Merde, excusez-moi. Ouais. Ah. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai une branche. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Je peux pas m'en servir pour accorder ça. Pourquoi ça m'a bougé? C'est parce que je voulais pas cliquer. Qu'est-ce qu'ici?
qu'il manquait un truc ici. Alors là, j'avouerai. Pour moi, ils sont classés par ordre alphabétique. Parce qu'après, ça aurait aucun sens de les inverser. Et si on les classe par avec le prénom, c'est-à-dire A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V et R. N'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. On n'est pas plus. On n'est pas plus avancé. Alors pour moi, les ciseaux sont censés m'aider à couper un câble ou quelque chose. Je vais pas couper le câble du téléphone. Enfin. Oh, ça a l'air bien de la merde, ça. Entre vos vies passées. Notre programme psychiatrique complet sera pour vous comme une renaissance. Pas la fiole bleue.
pas de numéro de téléphone. J'ai essayé le 911, hein, on sait jamais, c'est le numéro d'urgence de la police aux États-Unis. Après, je sais pas s'ils sont américains, les mecs, de chez Rusty Lane. Alors, j'ai ça aussi, je sais pas ce que ça change. Ça me change l'éclairage de ça. Ça allume ou ça éteint cette lumière. Là maintenant elle est éteinte. C'est ce que ça fait, donc ça me permettait d'avoir une photo. Ok, super. Et ça, je sais pas à quoi ça peut me servir. Normalement, ça s'ouvre, ça. On est d'accord. En fait, c'est un. Je connais ce genre d'objet. C'est un. C'est un. Comment? Un globe terrestre, mais qui sert de barre. Et après, j'ai ça. Et ça va être pour la fin en fait. Parce qu'après en fait ça correspond au. À mon avis, ça doit correspondre aux preuves qu'on trouve. Oh, attends, je crois que je suis un génie. Cadre là. Il dit qu'il est censé y avoir un cadre ici. Ah, c'est l'oiseau, hein. Ça, pareil, je sais pas quoi en faire. Bon, donc la diapo, évidemment, voilà, mais c'est. J'en sais rien, je pêche là. Là, je vous avouerai ne pas savoir. Quelque chose m'échappe. Mince.
Où est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux récupérer... Est-ce que je peux récupérer ça? Non, je peux pas, hein. Parce que là, j'ai le truc du câble, mais le... J'ai ça là, je sais pas. Ça s'est fermé, j'ai pas trouvé de clé pour ça. J'en sais rien, je suis assez dépourvu. Après, j'ai. Un lieu où vous videz l'esprit. Pensez au passé et à l'avenir. Je coince. Je vous avoue coincé là. Je vous avouerai, je ne sais pas.
Je peux pas drag and drop, je peux pas. D'accord, c'est lui là, je peux pas faire un truc? C'est bizarre comment c'est random. Il y a forcément un truc qui m'a échappé. Il y a forcément un truc qui m'a échappé. En fait, tout ce qui me manque, c'est l'heure. Est-ce que... En plus, vas-y, je contrôle les heures et les minutes. Tu peux y aller. Mais je sais que... Mais en plus, je sais que les jeux Rusty Lake, ça ne permettent pas de faire du bruit de force. Donc si on n'a pas le code, on l'a vraiment pas, quoi. On peut pas le deviner, quoi. Enfin, on peut pas l'obtenir. Meurtre ou suicide. Ouais, parce que tu en connais beaucoup des gens qui meurent. Visiblement la gorge étranglée, enfin la gorge... voilà quoi, avec la gorge tranchée, enfin... Je sais pas. Je vous avoue ne pas savoir. Et... Les noms là, ça... Ça me parle pas. On peut pas les ouvrir, les livres, on peut juste les bouger, les... Pour essayer de les classer. Déjà, le bleu et le rouge, pour moi, ils sont... Je l'avais fait, hein, les classer du plus grand au plus petit. Et du plus petit au plus grand. Ça, je l'avais fait, sachant que les deux là sont plus ou moins égales, donc... Mr. Vandermeer,
Please tell me about your dream. I was watching TV.